Bonjour monsieur. Ah, ok. C'est qui ce monsieur? Lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi. Vous monsieur. Inquiétez pas, je prends photo. Lâchez-moi. Lâchez-moi, monsieur, lâchez-moi. Cours, cours, reste pas ici. Mais oui, bah attends. Starfall. Entre en cours, entre en cours. Ouais, 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 mais j'ai pris en photo quand même, t'as vu? Eh, eh, eh. Regardez la photo là. Regarde, voilà, regarde, va voir. Eh, 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 calme, calme, calme. Eh, calme, oh, calme. Eh, toi t'as juste le seum. Eh, c'est quoi encore? Maintenant tu dégages. Vas-y, c'est bon. Il a le seum, c'est tout. Il a le seum. Il en peut plus. Il a le seum. Il a le seum. Oh, vous allez fermer votre putain de gueule, bande de bâtards! Ferme ta gueule, dégage de là! Eh! Eh, écoute! Eh, 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 écoute, écoute, j'ai déjà parlé à ton pote là, d'accord? Maintenant. T'as vu ou pas? J'ai pas vu ta photo. Maintenant, attends, trop, attendez, hein. Attendez, non, maintenant ce qui va se passer là, attends, avec comment tu t'appelles? Kevin, toi, c'est ça? Ah, bah c'est Kevin de Chambre. Voilà, écoute-moi bien là, écoute-moi bien. C'est le copain de Bobby, moi. Ouais, ouais, ouais. On pas qu'on parle mal de lui, moi, c'est toi, moi. Mais on s'en bat les couilles de Bobby là. C'est pour ton histoire de quoi? Le boîtier encore là? Bah non, j'en ai la faute de ça. Oui, oui, t'en as rien à foutre, tu me courras après, man. Ah, hein, c'est pour Bobby! T'as vouloir me frapper! Ouais, mais vas-y, bah Kirby, tu le démontes et on n'en parle plus, vas-y. Eh, hey, Brandon, il sait bien plus de choses que ce qu'on pense, tu l'as vu, d'accord? Arrêtez de vous confier à lui, arrêtez de lui parler. C'est Nova Mladin, Nova Mladin. Voilà, maintenant vous écoutez 5 minutes. Il faut qu'on mette le plan exécution. Aziz, il répond pas, je sais pas, il est dans ses pensées. On s'occupe de Bobby ce soir. Brandon, va falloir s'occuper de lui. Et vas-y, on avance. Là, on a une longueur d'avance sur tout le monde. Non, mais et, ils m'en veulent par contre, les jeunes. Ah, bon. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Là, je vous le dis. Eh, hey, franchement, t'as déjà une tête boursouflée. Tu prends. T'inquiète, ça va. C'est tranquille. Man, j'en ai marre. Eh, hey, tu vas juste prendre un sale quart d'heure, mais tranquille. Mais vous voulez quoi, Bobby? C'est ça que je comprends pas. Eh. Non, mais Nova, pourquoi tu le protèges comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Mais parce que c'est mec, c'est logique. C'est ton mec? Mais oui! Donc moi je veux bien vous aider, y'a aucun souci, ouais, mais j'aimerais bien savoir pourquoi, mais je sais pas pourquoi. Mais du coup, pourquoi vous voulez pas me dire les choses? Vous voulez juste m'utiliser pour avoir ce que vous voulez sans me dire non, le truc du comment? Baby girl, c'est faux là, tu dis n'importe quoi! Ouais, baby girl! Ouais. Ah, Aziz, putain! Pourquoi vous pensez que je vais la faire? C'est quand qu'on sert Bobby là? Non, baby girl, on est soudés! Tu sais qu'on est soudés! Oh, Aziz! Écoute, je veux simplement savoir, Nova. Tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Ou est-ce qu'on essaye de faire bande à part à chaque fois? Ouais, mais c'est marrant de parler de bande à part quand tu balances rien à personne, toi. Mais si, il a tout dit, arrête, t'abuses là-bas. Bah, mange, mais je suis. Nova, pas parce que t'es parti. Mais c'est normal, tu vas te coucher à 19h, cousine, c'est normal, on t'a rien dit. J'ai vraiment tout dit. Ouais. Je t'ai tout dit. Non, vraiment. Eh, Nova, tu vas me dire que je t'ai rien dit? Oh, je t'ai tout dit pour Amine. J'ai dit pour ce qu'on a vu, je t'ai même emmené pour que tu le vois de tes propres yeux. Que Brandon, c'était une petite salope qui savait bien plus de choses. Je suis d'accord, mais non, mais je parle pas de ça. Bah alors. Mais on t'a tout dit. Si tu veux savoir ce qui cache ton Bobby, bah viens avec nous et tu nous suis. T'arrêtes de poser des questions et tu verras bien. On a la bibliothèque? Ouais. Ça va? Ça va ou quoi, l'ami? Ouais, ça va, ouais. Ça parlait de poster de la bibliothèque, les gars? Ouais. Et t'es pas invité dans la discussion, donc ouais. Non, mais je vais juste partir, vous avez juste 3 ans de retard et y a plus rien. Mais allez, salut, les gars. Le code, c'est 6666 et y a plus rien, c'est ce que je vous ai dit. On cherchait pas le code des posters, Al-Hamar. Le problème, c'est que tu croyais qu'on pensait, qu'on essayait de chercher quelque chose du retard, moi je te parle de quelque chose du futur. Je comprends rien. Oh, voilà. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu parles mon rêve. Par contre, je ne cherchais pas le code du poster. Ça, c'est 666, on le sait. Fils de pute. Ouais, ni comme toi. Il est content, cet enculé. Et qu'est-ce qu'il fait dehors, aux deux, là? C'est lui qui est sous la pluie, hein. Il avait le conseil de discipline. Normalement, il est viré. Il est viré? J'espère, vraiment. Attends, écartez-vous. Prenez-le en photo et envoyez au directeur. Du coup, c'est quoi le code des posters, là? je croyais que vous cherchiez le futur, les gars. Mais lui, il cherche le futur, mais moi, je suis dans le passé lointain. Toi, t'es dans l'imparfait, sa mère. Mais moi, je suis déconnecté, je suis pas un enquêteur. Bah ouais, mais t'es pas un enquêteur. Si tu rangeais un peu ta teub et que t'arrêtais là avec Nova et que tu te concentrais un peu, tu comprendrais ce qui se passe. Frère, Nova, je vais parler 5 minutes dans la journée. Tu comprendrais ce qui se passe. Là, frère, ce qui se passe, et d'ailleurs, Bobby, moi je te le dis, il y a des gens, ils vont le faire.
J'ai même pas c'est qui. Bah je sais pas, mais apparemment tu sais beaucoup plus de choses que tu crois, tu vois. Je suis con ou quoi? Bah ça j'en sais rien, je te laisse te poser. Moi je sais juste qu'il y a des gens qui vont le faire. C'est tout ce que je peux te dire. Je pense que tu vas prendre ta part dans pas longtemps. Après. Mais pourquoi ça te fait rire? Ah mais parce qu'en fait. Je vais te dire pourquoi ça me fait rire. Pas peur. Non, je vais t'expliquer pourquoi ça me fait rire. Parce que frère. Tu passes plus de temps à parler avec les gens plutôt qu'à mener toi-même ta petite enquête. Résultat, ça va tomber sur la gueule, tout le monde le sait dans cette école sauf toi. Et c'est pour ça que ça me fait rire. Bah pour le coup c'est ce que tu crois, mais il est bien avancé. Hein. Il est bien avancé de quoi, il sait tout lui. Moi je te dis, il sait rien en vrai. Mais hey. Il sait tout putain. Après on parle de quoi? Mais je sais pas, toi tu parles de quoi? Et gros, il a parle de celui. Mais le code, mais tout le monde là sauf toi. C'est pour ça que concentre-toi sur ce qui va se passer. Mais non, mais le poster, on s'en fout en plus, c'est fini. Mais oui, mais c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai dit aux deux. J'ai rien compris à l'histoire. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc dehors, viens. Il a rien qui est fini, les amis. Vas-y, dis-moi. Jordan, t'es pas invité. Non. Les bleus, je vous parle. Moi, je t'ai rien péta. Retourne dans ton présent. Arrête-toi, moi, je t'ai rien péta. Si. Non. Et crois-moi que je peux t'offrir quelque chose de. Crois-moi que je peux t'offrir quelque chose de fou. Mais lui, toi, t'es au courant que. Oh non, mais hey, t'es vraiment en retard surtout. Hein. Mais si, je te l'ai montré en plus ici. Mais ouais, non, mais quoi? Tu m'as jamais montré ça? Non, mais il y en a. Mais si, je t'ai dit, il y a eu Chicha. Eh, vas-y, tu sais quoi, confie-toi à lui, tu vas. Vas-y, t'inquiète. Les gars, j'ai Alzheimer. Viens, devant moi. Et tu m'avais jamais montré. Ne te laisse pas rentrer dans le crâne, d'accord? Il a rien. Tu peux sortir, s'il te plaît. Attends, je bois un petit, une petite bouteille d'eau là, j'ai soif de fou. Vas-y, continue. Attends, hop. Et vas-y, lourd, hein. Ouais, bah, en même temps, je suis un beau bonhomme, hein. Bois, t'inquiète, bois. Hop. Vas-y, j'entends pas là. Non, mais en plus, Nova. Nova, ça me casse les couilles. Tu sais pourquoi? Parce que, allez, chez les bleus, ils me prennent la tête tous les jours et on me dit rien. Et y'en a, leur clé, elle fonctionne alors que nous, elle fonctionne pas. Sinon, non. Vous avez vu les filles, elles recherchent Bobby là. Bah, il est là. Mais tout le monde veut trop me parler en fait, j'en peux plus moi. Parce que t'es beau gosse, mon Bobby, t'es beau gosse. Vous voulez me parler encore? Mais c'est pas moi celle qui te cherchait, j'en sais rien. Vous avez été. Vas-y, oui, va te faire enculer. En tout cas, merci pour toutes les informations, mon ref. Hein? Le stade, les backgrounds et tout, ça fait plaisir. Vas-y, mais ça, de toute façon, tu le sais déjà. Oui. Je suis tellement en retard sur ça. Moi, je veux que tu me dises rien parce que je préfère tout trouver tout seul. C'est tout à ton honneur. Je suis pas dans la course. Mais par contre, vraiment. Ton boîtier, vraiment... je suis au courant de rien. Crois pas qu'on est grave main dans la main. Non, mais ça, c'est pas grave. Le boîtier, vraiment, en fait, je m'en fous du boîtier. Mais comment tu l'as eu? Je sais même pas comment tu l'as eu. Ah mais je t'explique, le boîtier, c'est juste dommage pour elle, pardon. parce que je te jure que si elle l'avait rendu, on aurait pu lui dire quel truc on essaye de hacker avec ça. Donc dans tous les cas, si elle met pas de l'eau dans son vin, non mais donc tout le monde le sait. Venez, les gars, venez. Y'a quoi? Bordel, levez-vous. La surveillante là, et eh ben elle s'est fait enlever par le pointeur. Ouais, ça je l'ai vu. Il s'est kidnappé par le pointeur. On va sortir. Vas-y, fais-nous sortir. On va appeler le toit de l'établissement, on va essayer de le retrouver. Vas-y. Pardon. Non, mais. Mais non, mais faut pas taper le concert. Ouais, c'est à cause des cafards, monsieur le conseil. C'est pas grave, écoutez-moi bien. Les amis, il faut qu'on soit discret. Parce que malheureusement, le proviseur, il a rien à foutre quelqu'un disparaît. Voilà, c'est pour ça moi je peux compter sur vous, j'espère. Voilà, ne partez pas n'importe où parce que c'est dangereux. On essaie de la retrouver, ok? On va passer par l'arrière. Vas-y. On va faire le tour de l'établissement. Vas-y, on te suit. Et j'ai quand même quelque chose. Hop, ça c'est. Voilà, où il est là. On est en sécurité. Voilà, allez, vas-y. L'arrière, c'est où? C'est là. Je peux commencer à être discret, les élèves, je vous en supplie. Oui, et on va niquer le pointeur. Personne n'agit. Vous trouvez ça normal, monsieur Wilson qui disparaît maintenant? La surveillante, non, je peux pas laisser faire. Pas normal. Pas laisser faire. J'ai pied de biche, mais j'ai peur quand même. On est avec vous.
Attendez, je vais perdre la pas. Ça qui cette voiture de fou. Non, faut pas crier. Oui, ouvrez l'œil, dites-moi si vous voyez quelque chose. Il est où? Non, là en face de nous, il y a Kaina. Mais t'es pas kidnappé toi? Kaina? J'ai failli mourir, Il est où? Il est où? Kaina? Il y a un mec tout nu qui m'a kidnappé. Ouais, il a essayé, moi aussi, il avait un couteau en main. Il pensait que j'étais une élève et il m'a relâché quand il a su que j'étais pas une élève et que j'étais majeure. Ah ouais, il aime coller la camionnette là-bas, là. Camionnette, c'est quoi la camionnette en face? Il était. J'ai monté une armée pour sauver, mais c'est bon, t'es là. Non, ça va pas. Ça va aller. Ouais, je veux pas de contact, là, franchement, j'ai peur. Ça va aller, mais franchement, là, c'est trop pour moi. Eh, Aziz. Pose-marée. Pourquoi? Aziz, attends, faut qu'on s'occupe de l'autre là. De qui? Les deux bobies là, non? Mais putain! Mais on fait. Aziz, allez! Regarde! Mais tu l'as récupéré comment? Tiens. Comment t'as fait? Les élèves! Ouais! Qu'est-ce que vous faites? Soyez discrets! Qu'est-ce que vous faites? Mais bon, il a relâché Kaina! Oh. On va le trouver! On va le niquer! Oui, mais si vous le trouvez, faites-moi signe! Mais n'agissez pas tout seul, ok? Eh, je peux. Gollum! Gollum, viens voir! Comment ça, Gollum? Non, monsieur le concierge, j'ai dit. Eh, monsieur Jeff, vous faites quoi avec Brandon là dans votre QG là? Montrez-nous votre QG s'il vous plaît. J'ai pas de QG, c'est juste un endroit pour. Ouais, pour où il y a tous mes outils, mais il y a rien. Eh ben, fais-nous visiter. Mais là, j'ai pas le temps, je dois m'occuper. Non. Kaina, elle va bien, on l'a vu. Fais-nous visiter. Comme ça. Désolé. Et voilà, voilà. Tu vas nous faire visiter. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On t'a vu pour la dernière. D'accord. Tu parles bien. Ok. Y a rien. Eh cousine. Eh, je dis pas ce que j'ai vu. Tu dis pas ce que t'as vu. Ok. Comment ça, cousine? Non mais écoute, baby girl, t'as rien vu. C'est de la magie. On n'existe pas. Voilà. Tout ça n'est qu'illusion. T'as vu? Voilà. T'inquiète pas, ma petite fleur des îles. Tout va bien se passer. Voilà, écoute Kirby, sa voix qui endort les plus sages. Eh, par contre, faudra vraiment que vous me dites la marque de vos lunettes. Ah, vous aimez? Elles sont folles. C'est du chin-chin. Oui, bien plus loup. Oh là, c'est incroyable. C'est la deuxième paire ou la troisième paire qui a été offerte, celle-là? La deuxième. Putain, elles sont folles. Elles sont mieux que la troisième, je préfère vous le dire. Ah bah, c'est sûr. Bah oui, c'est sûr. Les rouges comme ça, c'est la couleur... Eh, tu pourras un jour me donner ton numéro, peut-être? Ah oui. T'es adorable. Et tes mains, faut les serrer un jour. Je te montrerai comment on fait. C'est une histoire de cartilage, t'inquiète. Eh, crois pas, c'est... T'as vu, je drague pas, hein. C'est juste... C'est toujours bien d'avoir une infirmière dans les contacts. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et puis comme ça, en cas de problème, vous pouvez m'appeler. Voilà, en cas de force majeure. Infirmière comment? Joël? Non. 29-97-1. Non, j'ai dit... Et l'infirmière Meiko. Mais tu changes à chaque fois, toi. Non. Mais tu m'avais dit infirmière Joël. Non? Ah si, si. Ah non, c'est ma collègue, vous faites erreur. Ah d'accord, ok, c'est carré, c'est ma faute. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous êtes adorable. Il faudra accoucher un jour, madame. Je sais. Voilà, quand ça fait 3 ans, maintenant, faut tout lâcher, faut partir. Faut que ça sorte, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non mais oui, tout à fait. Voilà, je vous laisse repartir, madame. Laissez-nous le concierge, vous inquiétez pas, c'est un pote. D'accord. Bon, vous pouvez nous faire entièrement confiance. Évidemment, vous n'avez rien vu, on n'est pas là. Ok. Voilà, carré. Je vous bonne nuit. Bonne nuit. Sous la tête. Calmez-vous, vous inquiétez pas. C'est quoi les bails avec Brandon, bâtard? Je sais rien. Doucement. Et dis pas tu sais rien, je t'ai vu, je t'ai pris en photo. Tu l'as emmené, tu lui as ouvert la porte. Il m'a donné à manger, putain de merde. Il est dans notre camp, ok? Et ben, qui nous montre ses locaux, qui nous montre son local. Qui nous montre son local. Moi, j'ai un problème avec toi, Jeff, c'est que moi, je pensais que vraiment, on s'entendait bien, mais en fait, j'ai l'impression que tu donnes à tout le monde. Ouais, j'ai bien l'impression aussi, ouais. Et je pense que certains savent beaucoup plus que nous, on en sait, on veut en savoir à part égale. Alors, monte ton local. Si vous voulez, bon, y a pas de souci. Oh putain de merde. Attends. On est avec moi. Mais non, mais on est avec le concierge. Non, pas du tout, il est pas du tout avec le concierge. Non, il est pas avec nous. Bah si, on a fait une armée. Non, il est pas avec nous. Monsieur le concierge, vous pouvez le confirmer qu'il est pas avec nous. Si, on était avec. Y a-t-il un souci là? Je sais pas, je vois des élèves qui courent un peu droite à gauche, je suis en train de les... Non, tranquille. Non, vous voulez juste aider le concierge? Ouais, allez, je vous laisse avec le concierge. De toute manière, c'est de bonne main. Voilà, super.
Mais elle vient avec nous, ok. Sans comment ça, elle vient avec nous. Elle vient avec nous, ok. Non, ben non, elle vient pas avec nous. Moi, bah, quand j'ai si, quelqu'un, on fait des crises nous. Et toi, tu peux ramener quelqu'un dans une autre classe. Vas-y, viens. Non, tu veux ramener quelqu'un d'autre avec nous. Non, mais là, c'est ok, d'accord, très bien. Non, stop, stop, on arrête, on annule tout. Monsieur le concierge, on veut aucun mal, monsieur le concierge. Non mais j'ai peur, j'ai l'impression que vous allez me faire du mal, j'ai peur. Mais non, c'est... Qu'est-ce que mais non. Alors venez, je vais vous montrer l'endroit, venez alors. Allez, montre. Oui. Oh, allez, cassez-vous. Mais c'est une salle de torture, ça. Vas-y, ferme. Mais c'est une salle de torture, ça. Comment ça, de torture? Mais t'es complètement taré. Mais attends, comment ça, t'as une chaise en plein milieu, toi, d'une pièce comme as? Mais c'est pour m'asseoir, c'est là que je dors et je lis mes livres. Il va falloir... On va se calmer, on va se détendre. On est dans le même camp, les élèves. Ouais. C'est ça que j'ai voulu vous dire. Mais si vous voulez pas donner du monde, vous risquez de vous sentir. C'est quoi ça? En fait, c'est ça qui éteignit le courant. Oh merde! Putain, pardon, excusez-moi! Qu'est-ce que vous avez fait? C'est bon, c'est bon. Non, 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 c'est bon. C'est bon, on l'a remis. Au courant. Les gens qui sont déjà venus ici, ils vont être au courant maintenant. Ils vont aller voir. Ils vont débarquer. Désolé, il fallait nous expliquer. Les gens qui sont déjà venus ici, ils savent qu'ils Attends, hey, Einstein, pourquoi t'as ramené d'autres gens ici et les autres tu nous laisses en chien comme ça là? Mais comment ça ramener? C'est les gens qui sont curieux, ils me tapent sur la porte. Mais je ouvre, c'est un local comme les autres. Ah, dès qu'on tape à la porte, tu ouvres toi. Quand je t'ai vu rentrer avec Brandon, on a tapé à la porte, on a crié, pourquoi tu nous as pas ouvert? Je peux vous prouver, sortez dehors, vous allez voir. Maintenant c'est devenu, on n'entend plus le son. Alors pourquoi tu dis ouais, faut toquer à la porte? Brandon, il m'a donné rendez-vous pour me ramener à manger, c'est ça que vous comprenez pas. Brandon, c'est un ami. Comme s'il avait quelque chose à faire. Moi aussi je te ramène à manger, Jeff. Mais tu m'as plus ramené à manger. Bah c'est normal, on s'est pas vu entre temps, il y a eu la grève. Bon, vas-y, écoute, c'est quoi, je vais. Regarde, écartez-vous, je vais donner à manger et tu vas nous sortir une petite info sympa, d'accord? Ah oui, y'a pas de soucis, mais écoutez, en plus, j'ai toujours ta bouffe dans mon sac, Jeff. Ah bah vas-y, donne-lui, Nova. Ouais. Moi, j'enquête sur quelque chose, vous savez. Peut-être vous allez pouvoir m'aider. Bon, vas-y. Ah ouais, sur quoi? Maintenant, donne-nous une belle info là. Alors, les infos que je peux vous donner, c'est que il y a quelque chose qui se passe. Tout ça t'école. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais tu fous de la gueule du monde. Non, je sais pas plus. Non, mais il se fout de la gueule du monde, lui. J'en sais pas plus. J'ai trouvé une photo de Watt. Tu parles d'une meuf. Ouais, je lui ai dit, j'en ai parlé. Et alors? Il a dit que c'était une vieille histoire. Attends. Et peut-être que ce sacrifice-là, c'est la clé de tout le reste. Qui va nous permettre, justement, de nous faire mener grâce à ce petit gizmo-là. Le petit démon-là. C'est lui, là, qui a fait en sorte de barrer. À la bibliothèque, putain de merde. Vous avez jamais vu ce mec? Si. Moi, je l'ai jamais vu, par contre. Ouais. T'es en train de nous mentir, concierge. Non, vraiment, lui, je l'ai jamais vu, vraiment. Attends, t'as parlé d'un gizmo? Ouais. Un gizmo. Avec un couteau. C'est lui. Écoute, je me suis beaucoup rapproché du prof de créatures fantastiques, ok? Ok. Et je lui ai dit que je voulais faire ce métier, parce que c'est vrai, j'adore les animaux. Et il m'a donné un manuel aujourd'hui de livres rares que personne n'avait. Et il m'a dit que je pourrais en apprendre plus dedans sur les animaux. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Mais c'est sur un des bouquins que j'ai lu sur ça, là. Justement, il demandait un homme mineur, roux, et de petite taille de préférence. Quoi? Ouais, c'est ce qu'ils ont demandé, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Et il a dit de le mettre en plein milieu de la bibliothèque et de le sacrifier. Et c'est pour ça que, du coup, que tu me parlais de Bobby. Voilà, t'as compris. Si vous devez interroger quelqu'un, c'est justement ce prof de fantastique, je sais pas quoi, ce que vous venez de dire. Pourquoi? Tu sais c'est qui? C'est le prof de théâtre. Le prof, celui qui nous a fait le prof de théâtre, là, celui qui est à la bibliothèque. Avec l'écharpe, là, ce bâtard. Ouais, lui. Essayez de le questionner, lui, vous allez peut-être en savoir un peu plus. Et vous pensez qu'ils sont encore par là vous... Écoutez, je suis désolé si... Voilà, Maintenant, c'est quoi vas-y, tranquille. Juste, je vais te dire un truc. Arrête de trop fréquenter Brandon et tout, là, parce que tu fais des bails chelous aussi, hein. Non, mais vraiment, je vous promets, il m'a juste donné à manger. Ouais, mais il te donne à manger tous les jours, toi. Mais toi, tu es là, tu m'agresses et... Non, vas-y, c'est moi. J'avoue, c'est pas bien, Jeff, viens. Vas-y, je vais. Vous êtes méchant avec lui. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'ailleurs? Hier, le proviseur m'a poussé du balcon dans la bibliothèque. Quoi? Parce que j'ai été dans la bibliothèque, il veut pas que je lis. Voilà, c'est tout. Il veut que Jeff, je passe tout le ménage, c'est tout. Oui, dis-moi. Toi qui es dans cette école depuis super longtemps, est-ce que tu sais ce que je pourrais faire avec une pépite d'or? Je vais essayer de m'en renseigner auprès des professeurs, etc. Si vous voulez, je
Mais non, je ne sais pas exactement, mais je peux essayer d'avoir l'information pour vous. Eh, j'ai une autre question. D'accord. Un boîtier de piratage, tu sais qui serait intéressé? Parce que toi, t'as l'air d'aimer l'électricité et tout, tu vois. Boîtier de piratage. Ouais. Bon, je sais, j'y connais rien en informatique, par contre. Qui est-ce que ça peut intéresser? Vas-y, dis-nous. Mais aux élèves. Un élève? Bah oui, bien sûr, man. Man. Ça va nous servir, man, pour... Quoi, man? Pour ouvrir les portes. Les casiers. C'est un outil de piratage et tu veux le donner à quelqu'un, utilise-le. Garde-le, t'as capté ou pas? Les casiers? Vraiment, les casiers? Oh, la fille de ma mère! Les casiers? Je sais pas, les casiers, il y a peut-être moyen d'ouvrir plein de portes. Ouais, les casiers, ouais. C'est électronique, c'est avec un code. Ouais. Oh, elle est intelligente. Et attendez, il y a eu la fouille ce soir, ça veut dire que tout le monde a mis ses affaires dans les casiers. Ah oui, putain. Donc elle on peut tout rappeler. On y va. Waouh. On va tout rappeler. C'est Kirby qui va, parce que c'est elle qui a réussi à avoir le bordel là. Ouais. C'est Kirby qui va s'occuper des casiers. Le moindre prof qui nous chope, on lui saute tous dessus, sauf Kirby qui le remet vite dans son casier. Ok. On couvre Kirby quoi qu'il arrive. Nique sa mère. Vous avez raison, niquez vos mères. Eh non, pas nos mères, putain. Non, bah non, t'es con. Toi, tu m'as démangé, j'étais à deux doigts de te gifler. Allez, on y va. Eh, faut courir, hein. On va arrêter le marché, c'est relou. Venez, hein. On court. Écoutez, je vous laisse la porte ouverte pour ressortir. Ok, y'a Brandon qui est là. Qu'est-ce qui branle là? Ils sont là. On couvre pas qu'il arrive. Eh, si quelqu'un s'en prend à Nova, on saute dessus, ok? Vas-y, eh, on a besoin d'aide là, oh! Mais c'est là les casiers, tu vois bien, regarde, putain, y'a un truc de. Ça ressemble à la chercher. Bah, va la chercher alors, Aziz! Cachez-vous. Ils sont en train de chercher les élèves. Oh les gars, c'est le tourbillon là! Y'a quelqu'un ou quoi ici? Quelqu'un, bande de bâtard! Non, ça va, c'était une blague, tranquille, c'est moi. Oui, ça! C'est moi! C'était une blague. Vous avez prévenu Kirby? Mais je suis à peine monté, il y avait la surveillante qui était juste devant en train de leur dire vous cassez les couilles, mais bougez de là. Oh non. Donc j'en sais rien si elle est là ou pas. Ils ont reposé dans le... Oh, fais chier. Mais non, j'ai non, pas on doit y aller, je crois qu'on doit y aller, on doit y aller. Ouais, c'est mort, c'est mort. Ouais, les élèves. Eh, Kaina, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi. Ouais, t'as pas l'air super heureuse en vrai. Ah, parce que je me fais virer. Ah, non, nickel. Tout le monde rentre. Eh, vous l'avez remis ouais. À sa place? Ouais. Ok, t'inquiète. Carré. Oh, en fait... Putain, fais chier, on n'a pas eu le temps. Eh, les casiers, c'est en bas. C'est en bas. Il y a deux casiers avec écrit ne pas toucher. C'est ces deux-là qu'il faut faire en premier quand on aura l'occasion. Ok. Vas-y. Ok. Voilà, vas-y. Je vais rien à vous dire. Je vous baisse tous, bande d'enfoirés de merde. Ferme ta gueule. Eh, pas intéressant. Non. Bah, de tout. Attention, monsieur le directeur. Oh putain, Carter. Attention, monsieur le directeur. Écartez-vous, monsieur le directeur. Écartez-vous. Une carte, attention, monsieur. Allez, je vais vous fouiller, monsieur. Ouais, t'as vu, Bobby, on a chopé le pointeur. On a pêché le pointeur, ouais. C'est vous qui l'avez chopé. Ouais. Wesh. Très bien. Mais comment vous avez fait pour choper? Alors, attention. On l'a tabassé. Oh, vous avez pas peur, vous? Mesdames et messieurs. Ça, monsieur. Venez sur Doug, venez sur Doug et ce boubio là. Ah oui. Pour une fois, je peux vous mettre en avant. J'ai envie de vous dire, c'est très bien. Ouais, c'est grâce à vous. Ouais, on l'a arrêté. Chers élèves, le pointeur a été appréhendé. J'apprécierais que chacun d'entre vous confirme l'identité au policier, que c'est bien la personne qui vous a couru après. Qu'on soit bien sûr que c'est le bon individu. Oui, coupable, oui, c'est lui. Oui, il a essayé de me tuer ce soir. Il est donc extrêmement important. Il a essayé de me tuer, je l'ai envoyé sur Nova. Tous ceux qui me confirment que le pointeur est cet individu, lève la main. Est-ce que quelqu'un a vu un autre pointeur? Attendez, s'il vous plaît. Parce que ce monsieur... Salut Kirby, ma copine. Alors, ça va, pas trop le somme? T'inquiète, bah, franchement, mais franchement, hein, je l'aime pas. Quoi? Oh, bah c'est parfait. Je refuse de croire. Mais viens, on sort! Faut pas. T'as remarqué que j'insulte tout le monde à part toi? Frappez-le, vide immonde personnage! Mais tirez dessus! Mais attends, Kirby, je te. Venez, Kirby, viens, Kirby! Niquez-le! Attrapez-le vite! Mais putain, je veux pas qu'il se frappe! Il a vite m'emmerdé, c'est trop! Mais poussez-vous! Salut la bouche! Allez! Attrapez-le! Come on, that's a man! Hey!
Poussez-vous, mais poussez-vous, bloquez la porte. Restez ici les élèves, c'est bon, laissez la police s'en occuper. Laissez la police s'en occuper. Poussez-vous. Pas possible. Rentrez les élèves. Vas-y, rentrez à l'intérieur, rentrez à l'intérieur. Venez. Venez. Dortoir, faut que je fasse une annonce. Là c'est carré, on se cache. Faut rester caché. Bon, est-ce que vous savez des trucs qu'on sait pas ou pas là? Là vous avez appris nouveau? Il faut qu'on aille récupérer les casiers. On va commencer par les casiers du bas, vite. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, qu'est-ce qu'il fait? Eh, tu fais quoi là? Oui, je. Vas-y, viens, on a attendu, hein. Qu'est-ce que tu faisais là-bas là? Viens, on y va. Oui, on y allait, oui. Et toi, qu'est-ce que tu faisais là? Je sortais des toilettes. Tu sortais des toilettes, hein, dans les casiers, toi? Oui, j'étais en train de chercher quelque chose. Tu cherchais quoi? Ça te regarde pas. Vas-y, ça me regarde pas. C'est pas grave, laisse. Non, mais. Ouais. Attends, on me regarde pas. Et vous faites quoi? On nous a demandé d'aller te chercher. Parce que votre collègue, elle est restée en bas. Quel collègue? Bah, vous étiez trois. Non? Et à l'arrivée, vous étiez trois. Mais elle est. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Mais c'était une surveillante, frère. Elle est juste partie chez elle, wesh. Ah bon? Surveillante. Je crois que tes deux sourcils de la taille d'un Airbus, ça t'empêche de voir les vrais trucs. Tu vois, ouais. Tu comprends ou pas? Viens dire, on va les voir. Ah non, on va pas voir. On doit y aller là, on est venu te chercher. Ah, bah y aller. Juste, ouais. On va dors-toi en fait. Genre, ouais. Ouais. Bah oui, allons-y. On vient te chercher. Il est bizarre lui, il est chelou. Lui. J'ai pas confiance en Nova, je te le dis. J'ai pas confiance en Nova. Donc vas-y. Y'avait quoi? J'ai trouvé des radios. Ok, écoute-moi. C'était pas du tout le truc de piratage qui marchait. C'est quoi? En fait, il fallait le code. Ouais. Et le code, dans la logique, c'est la photo du concierge. J'avais sa date de naissance dessus. Donc du coup, j'ai tapé le code, la date de naissance du concierge. Ouais, et donc du coup, on a trouvé deux radios. Remets le boîtier de piratage. Et elles sont où les deux radios là? Range le boîtier de piratage. Mais par contre, attends, je... Il est important. Je comprends pas. Rangez le boîtier de piratage. Attends, je vais l'accompagner au cas où. Eh, t'as trouvé quoi? Deux radios? Envoie-en une. Ouais, j'ai trouvé deux radios, man, mais et j'ai trouvé un... Tiens. Vas-y, on va le ranger. Ok. Du coup... Donnez-les-moi, s'il vous plaît. C'est rangé. Ok. Quoi? Il est en train de martyriser un mulet. Mais attends, mais c'est pas le rat du concierge? Si. C'est le rat du concierge? Mais qu'est-ce qu'il prend? Et l'infirmière, qu'est-ce qu'elle fout? J'en sais rien. Bien, madame l'infirmière, hein. J'espère que vous respectez et que ça se passe oh, bien. Oh putain, attends. Ah, je reste caché, je suis caché. C'est bon, venez, courir. Derrière. Et lui, je vais le tabasser. Eh, dégage ta race. Vas-y. Et lui, il provoque trop. Lui, c'est des choses dans ce bâtard. Il sait des choses. Lui, on va le niquer. Eh, maintenant, vas-y, on se dit toute la vérité là. Vas-y. Moi, on va commencer. Ouais. Moi, je vais être honnête, cash, d'accord? J'ai rien contre Yellow, je m'en bats les couilles. Je suis dans son club de lecture, elle est adorable. Mais. Comment ça, mon ref? Elle est dans la classe rouge. Mais tout le monde la met à côté de la classe rouge. Mais personne ne la considère là-bas. Oh putain, courez. Viens. Venez où là? Venez tous ici là. Si je vous attrape, oh là là, ça va mal se passer pour vous. Starf, c'est bon? Vas-y, cache-toi là. Pourquoi l'autre bâtard il est dehors au calme là? Je sais pas, il est trop calme. La vie de ma mère, c'est trop. J'ai envie de l'enculer. J'ai envie de le mettre dans un casier, ce bâtard, et lui mettre des montées de coude à ce chien. Viens, on va fouiller la salle des profs, non? Putain, ça fait chier. C'est dans le casier Nova, là, pour essayer de. Pour les casiers, là, essayer de les ouvrir, ça. Pourquoi tu l'as pas gardé dans ton casier? Pourquoi tu donnes tout à Nova? J'ai bien fait de le donner à Nova parce que tu te souviens quand il est venu me. Essayer de récupérer le truc sur moi. Oui, mais là. Et bien, il aurait pu me le récupérer si je l'avais pas donné à Nova. Maintenant, je vais pas lui demander, genre, ça va pas lui plaire. Eh, écoute, j'ai des pouvoirs acquis au cours de ces 40 dernières années, ok? J'ai une oui exceptionnelle. Laisse-moi écouter. Ah ouais? Ouais. T'as pas entendu là quelqu'un marcher? Non, man, absolument pas. Putain, c'est un truc de fou. Oh yes. Attends, j'ai entendu des gonzesses. Où ça? En bas là. Star. Ah mais c'est vous les girlies. Voilà, mais alors. Oh les girlies. Nova elle est où? Elle se fait choper. Attends, il est où Aziz? Je sais pas, on s'est caché dans les toilettes. J'ai entendu Nova, elle s'est fait choper dès qu'on est rentré. Et quand on s'est séparé, Aziz c'est pareil, il a dit monsieur Aziz. Moi je suis descendu en bas dans les toilettes et j'ai vu Keiko. Vraie question, Yellow c'est quoi les bails? Pourquoi Aziz il va à tout prix te mettre dans tous les plans? Dis-nous la vérité. Bah non, mais parce que moi et lui, voilà, et puis... tu peux demander à Keiko, nous on est vraiment, comment on dit, mis de côté, tu vois, par rapport à la classe. Vous aimez bien votre classe? Bof.
Ah, on est d'accord. Et donc, en fait, ils vous mettent de côté. La couleur est stylée, mais sinon. Ils vous mettent de côté de ouf. Ah ouais, carrément. On est toujours toutes les deux. Quand elle est pas là. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un miskin, ça fait miskin. Tu sais, nous, on est soudés, c'est-à-dire qu'on est quatre. En même temps, on va pas les suivre pendant qu'ils emmènent une prof pour lui voler ses fringues. Ils font quoi? Ils font quoi? Ils ont agressé la prof d'art plastique. Ouais, ça m'étonne pas. Elle a été convoquée. Let's go, les baby. J'arrive pas. Mais ferme ta gueule! Mais c'est un truc de fou! Mais non, mais ferme ta gueule! C'est juste. Tu fais crack! Elle a plus de ma mère! Et tu vas me parler trop mal! Non, mais tu fais chauffer de fou! Tu vas parler. Mais quand je te dis chute, tu continues de parler! Ferme ta gueule! Il y a l'autre là, de votre classe! Putain, il y a l'autre salope! Il y a encore plus de monde là, l'autre salope! Et lui, les gars, il a volé un papier important, c'est ce que j'ai essayé de dire à Asie. J'ai trouvé une feuille que j'ai pas eu le temps de lire. Il a volé un papier à qui? À qui? À moi. Hein? Et c'était quoi ton papier? Eh ben, c'était une feuille qui disait de chercher un truc, il veut pas me la redonner. Mais pourquoi tu lui as donné? Mais pas. Mais il l'a fait tomber. Mais ouais. Mais quoi, t'as fait tomber? Ouais, mais comment ça, tu fais tomber une feuille importante? Oui, bah, désolé, hein, j'ai jamais eu ça entre les mains. Et du coup, bah. T'as jamais eu une feuille entre les mains? T'as jamais eu une feuille entre les mains? Non, mais j'étais stressée de voir un mot. Bah oui. Il arrête pas de me dire que je la redonnerai pas. Faut pas, man. Sacré cordon. Ouais, t'as vu? Même pas, tu le dépasses. T'as vu là, l'autre bouffard de queue là? Ouais. Bah, il est avec l'infirmière. Bah, à mon avis, je sais pas. Et là, pourquoi il y a les deux girlies qui courent dehors? Oh là là! Regarde lui, il vient de rentrer encore, le mec jaune là, il vient de rentrer. Quel mec jaune? Là, le mec jaune, il vient de rentrer à l'instant. Qu'est-ce qu'il prend? Viens, on va à la bibliothèque. T'as vu? Y'a Nova. Quoi? Y'a Nova, man. Chut, je sais, non, qu'est-ce que tu prends avec nous? Mais qu'est-ce que tu prends, toi? Mets-toi égal à nous. Alors vous êtes là, les mains. Le prof a balancé à Amine et à Brandon que j'avais la pépite. Et ils les ont envoyés. Nova, tu nous as pas suivi. Attendez. Et allongez-vous, là. Je vais vous porter. Allongez-vous. Chut, les flics. Nova, viens. Nova, viens. Non mais tu veux faire quoi avec Nova? Laisse tranquille. Nova, viens, on doit parler, viens. Attends, j'ai tu dégages, je te dis. Mais viens, on lui parlera après. Merci les abeilles. J'ai zéro confiance, il ne calcule jamais là, il me demande de venir avec eux. Bon Bobby, foutez mal quand vous êtes libre jusqu'à nouvel an. Voilà. Tu vois, là au moins tu vois qu'il sait des choses, Bobby. Tu vois? Regarde bien Nova. On dirait un boys band comme ça. Mais dégage toi, qu'est-ce que tu prends là? Mais toi, qu'est-ce que tu prends là? T'as vu Nova? Je t'avais dit quoi, Nova? Il veut pas dégager. Mais qu'est-ce qu'il fout là encore? Bon, on recommence, hein, tu arrives à l'air assez toi. Pas de chance. Hey, Nova, ils te veulent quoi, les deux rouges là? En gros, je t'explique. Je parlais avec Brandon. Ouais. Et Brandon, il était au courant pour ma pépite. Et il m'a expliqué qu'en gros, depuis tout à l'heure, il voulait nous raconter, mais il faisait des enquêtes. Ce bâtard de prof d'histoire, ouais. Il m'a balancé à Amine, il m'a balancé à Brandon. Alors que c'est un prof. Mais ça les regarde pas. Et il voulait faire quoi de la pépite là? Justement, moi je voulais l'échanger contre quelque chose, mais lui il veut la récupérer. Et donc du coup, Amine, il veut récupérer la pépite, il veut trouver un arrangement. Mais tout à l'heure, c'est on veut te parler, ils veulent m'emmener toute seule sur le terrain. On va leur teindre un guet-apens. Baby girl, on va sortir le taser. Non mais, levez-vous, putain. Qu'est-ce qui prend l'Aziz? Ils vont fouiller. Prépare-toi, on saute dès qu'ils prennent l'escalier. Ok? Mais ça peut faire mal, mais tu fais en sorte d'atterrir sur les tables. Putain, mais Aziz, reste avec nous. Mais qu'est-ce que tu branles? Reste avec nous. Aziz, je commence à me dire que t'es pas un gars sûr, là. Pourquoi? Mais je sais pas, tu restes allongé, t'es bizarre, on te parle, tu réponds pas. Mais désolé, je suis en train de chier, putain. Bon, Nova, il veut faire quoi de la pépite, le gars, là? Le Amine, là, mes couilles, là. Elle sait pas, ils veulent juste récupérer la pépite. Mais non, mais c'est... Ouais, il arrive pour sauter. Quoi? Oh. Je suis exceptionnel! Staff! Là, désolé, on est ensemble. C'est comme As, mon ref.
T'inquiète. Vas-y, venez, les gars. Les gars, j'ai une cachette. Je connais une cachette. Venez, je connais une cachette. Ah putain, viens, survient derrière. Courez. Aziz, cours, bâtard. Tu vois bien qu'on te poursuit, putain. Ouais, j'ai pas vu. Mais putain. Mais je l'ai déjà. Eh, je t'ai sauvé la life. Eh, concentre-toi, toi aussi. Ok, merci Jordan. Ah putain, il y avait le surveillant. Ok, vas-y, stop. On va se caler au calme. Regarde derrière. Bon, ok, je regarde derrière. Écoute, vous trouvez le casier du concierge. Quoi ? Je voulais. Il est où ? Il est là-bas, il est vers le terrain. Viens, non, je te suis. Vas-y, je te suis, montre-moi. Mais on n'a pas de clé. Non, mais on a le boîtier piratage. Kirby. Là, vas-y, viens. Venez, les zoulettes. Venez. Les gars. Venez, vite. Il y a un surveillant qui fait le tour là, à cavale. Vas-y. Oh là, normalement on est ok. Bon, vas-y. Parlez tous. Ok, très bien. Ok. Ça va être clair, net, précis. Il faut faire un plan là. Ouais, okay. Écoutez. C'est quoi déjà cette histoire de pépite? Faites un briefing. Alors en gros, ce matin, durant. Ouais, la sortie chopé scolaire, la pépite ensemble. J'ai chopé une pépite, ok? Et c'est une pépite apparemment qui vaut grave quelque chose. Du coup, moi, pour enquêter et savoir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, j'étais voir le prof d'histoire, donc de littérature, qui lit plein de livres et c'est quelqu'un généralement qui me renseigne sur plein de choses, ok? Donc, il est censé réfléchir, on est censé se revoir, ok? Ok. Bon, fin de l'histoire de la pépite, j'en ai parlé qu'au bleu. Il n'est pas au courant, donc s'il était au courant du coup, Brandon, ce qui était là ce matin. Et donc, du coup, tout s'arrêtait là, tout se passait bien et tout. Moi, j'ai caché la pépite, comme vous le savez et tout, parce que je savais très bien que si quelqu'un était au courant, bon, c'était la merde. Parce qu'en plus, le prof m'a dit si quelqu'un sait, t'es dans la merde. Donc, j'étais en mode, ok, j'ai rien dit. Et ensuite, j'ai Brandon qui vient me voir et qui me dit, écoute, là, j'ai fait plein d'enquêtes. Matin à la cantine, qu'on enquêtait dans notre coin, qu'on se faisait un brief et tout, machin. C'est un mytho, lui, c'est un mytho, arrêtez de lui parler. Et il m'a dit, j'ai rien trouvé dans le casier du concierge, nous on a trouvé quelque chose du coup. Ok, et là il me dit qu'en gros il a trouvé le code du tiroir du prof d'histoire, donc il y a un tiroir avec un code, il doit y avoir quelque chose d'hyper important dedans, et il a le code, et il m'a dit, moi je veux qu'on travaille ensemble pour qu'en gros on aille donner la pépite ensemble et au passage on fait une diversion pour que je puisse ouvrir le tiroir et qu'on voit ce qu'on voit dedans. Donc c'est logique et je trouve ça correct, tu vois. Ouais. Et il m'a dit par contre fais attention parce que il y a être au courant de la pépite, Amine. Personne. Et en fait, non, c'est le prof d'histoire. Oh, Amine me l'a dit, il m'a dit ouais, le prof d'histoire il m'a mis sur la pépite, donc j'aimerais bien la voir pour lui donner, il me teste et tout. Ok. Ouais. Sauf qu'à chaque fois quand ils veulent me parler, ils essaient de m'isoler. Donc je sais pas si c'est juste pour que personne n'entende ou pour quelque chose, mais sachant que j'ai quelque chose de valeur, je sais pas trop quoi penser là en fait. Et moi j'ai joué la conne, j'ai dit ah mais moi aussi il m'a dit que c'était pour me tester la pépite, ceci, cela. Donc en fait ils pensent que je suis aussi en test. Ouais, pour le prendre pour un con, c'est pas grave. Et continue comme ça, regarde. Et écoute, je sais pas si vous avez vu. J'imagine il m'attache quelque part ou. Eh, hey, tu. Hey, non, on sera avec toi, Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que. S'ils veulent, tu prends pas la pépite sur toi, tu la caches. Ils veulent te parler, nous on arrive. Taser en main, ça en main. Et on les nique là, les deux. Mais on va pas les taper pour rien, tu vois. Ils veulent vraiment juste parler. On va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois. Par contre, sur ce coup, je pense qu'on peut faire confiance à Brandon. Je pense qu'il veut pas que vous soyez au courant. Mais jouer le coup de la pépite avec lui pour aller voir ce qu'il y a dans le tiroir, ça pourrait être. Il a le code du tiroir du prof. Et on lui donne la pépite. Et vous êtes au courant? Non, on lui donne pas, moi je la garde. Bah y'a quoi dans le tiroir? On sait? Mais on n'en sait rien justement, mais si c'est si secret que ça, que c'est dur à l'accès, y'a forcément un truc intéressant. Je sais pas. Brandon, il a volé un papier. Un papier très précieux à Yellow. Non mais là je comprends pas, Yellow elle est teubée hein. Elle a un papier hyper important, elle fait quoi? Elle le donne à Brandon? Et elle dit qu'elle l'a perdu Je sais pas pourquoi elle lui a donné d'ailleurs. C'est débile. Attendez par contre, attendez les gars, je viens les gars. N'oubliez pas, je vous en avais parlé, vous savez, à un moment donné, je suis allée dans le bureau du professeur, ok? J'ai chopé un livre dans son bureau. Il m'a chopé en train de choper son livre. Il m'a coursé et m'a demandé de lui rendre son putain de livre. J'ai rien pu voir dedans de ce qu'il y avait. Mais ce que je veux dire par là, est-ce que quelqu'un, vous l'avez vu ou pas, le livre tenait vachement. Il avait vraiment peur que je regarde ce qu'il y avait dedans. Ça je pense qu'on peut s'en battre les couilles. En vrai, ça a pas l'air très non, important. Non, je pense pas. Non, mal. Pas non, je jure, il a pris du mal. Ça a pas l'air intéressant. Oui, mais c'était le premier jour, Kirby.
Non, c'était pas le premier jour. Bah, c'était le deuxième maximum. Arrête un non peu. Non plus. Mais arrête ta comédie. Le troisième. Troisième jour, on a même pas eu le temps attendez. De faire des cours. Vas-y, laisse tomber. Tu sais quoi, t'as raison. Faut qu'on fasse tu me casses la tête. Là. Mais tu m'as dit ça le deuxième jour. Ferme ta gueule. Ah, vas-y, mais t'abuses. Non, mais faut pas se faire. C'est une force. Il faut qu'il arrête de crier tout le temps. Mais c'est toi, c'est toi. Et qu'il écoute un peu. C'est le deuxième jour que ça s'est passé. Tu me crois pas? Très bien. Oh là là. Oh là là. Je suis juste en train de te dire, c'est le deuxième jour que tu me l'as dit. Mais de quoi? Dis quoi? Eh, Carbu, tu veux un joint? Ouais, donne-lui un joint, donne-lui un joint, donne-lui un joint, parce que là c'est trop. Mais vas-y, dégage-toi, et vraiment il m'énerve. Arrête, il m'énerve. Toujours en train de crier, c'est bon. Attendez, mais on s'en fout, on parle d'un truc sérieux. Venez, on fait juste un récapitulatif de tout ce qu'on a d'intéressant pour l'instant, voir ce qu'on peut lier. Là, on a deux radios. Ça, c'est hyper bien. On a chopé ça tout à l'heure, les radios, dans le... Dans le coffre. Dans le casier truc, du concierge. On a deux radios. On a le boîtier. À mon avis, ça ouvre des portes électriques. Il faut qu'on trouve des portes électriques. Eh bien, il y a une porte, justement, qu'on a envie d'ouvrir. Celle du concierge. Et je sais où elle est. On essaie de voir si on peut l'ouvrir. Concierge... Ouais, mais c'est sûrement pour la porte à l'intérieur. Venez, on va voir. Ce qui nous manque maintenant, c'est un couteau. On a un pied de biche. Ouais, mais tu sais comment l'avoir le couteau au pire. Mais après pourquoi un couteau? Eh, on a des pistolets taser. Hein. Ouais, mais je te cache pas qu'un couteau à mon avis un jour ça nous sera utile. On est dans une école de fou, les profs se font découper en morceaux, y a des pointeurs qui nous courent après avec des couteaux en slip dehors. Moi aussi, moi je veux essayer moi. Elle est où cette porte? Mais par contre, on laisse tomber le livre là qui voulait t'en cacher. Ouais, on s'en fout du livre. C'est que je comprends pas pourquoi on est les uns contre les autres. Et venez, on va derrière. Attendez, de l'autre côté. Attendez, ouais. Là, c'est le pire. Ouais, mais moi, je propose que demain, ce qu'on fasse, c'est une réunion avec toutes les classes. Non, jamais. Ça va vouloir nous enculer. Non, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. Avant de me dire non, écoutez-la. Écoutez, on est dans une classe. La grande menace, au final, est-ce que c'est vraiment les autres? Parce que n'oubliez pas qu'on nous a parlé d'un tunnel aujourd'hui. Et d'histoires de meurtres et j'en sais rien. Là, le concierge, il nous en a parlé. Tous ces outils, au lieu de se faire la guerre comme des teubés entre classes, est-ce qu'on ne devrait pas tous s'allier pour justement faire quelque chose contre l'école? Parce qu'à mon avis, on est vraiment en danger, les gars. Mais en fait. C'est un monde qui n'existera jamais, en fait. Tu demandes à des gens teubés de coopérer. Ouais, en fait, mais du coup, est-ce qu'au lieu de donner ce qu'on a, justement, on marcherait pas avec des deals plutôt que d'être là à être dans notre coin à faire nos trucs, tu vois, avec des deals. Parce que le jour où la merde va tomber, qu'il va y avoir d'autres meurtres, parce que on a quand même retrouvé une main sur le bureau du directeur, ok, okay. Et j'ai entendu le directeur parler mal au concierge, il lui a dit d'aller nettoyer son bureau. Tu crois réellement qu'il y en a un d'entre eux, que ce soit les rouges, les jaunes, les verts, il ferait un pas vers toi? Non. Ils le feraient pas, ouais, parce qu'ils ont. Parce que nous, on n'en fait pas vers eux et on les insulte. Mais si on en fait un, peut-être qu'on pourra faire. Et on insulte personne, Nova. On insulte personne. Non, je suis sûr que si. Hitler, regarde, notre propre man qui est avec nous dans notre classe fait ses bails en solo. Moi, je vais pas mytho de tout ce que j'ai vu. Quand je vois des John, des Amine, ouais, Nova, viens. Alors qu'on est tous autour de toi. Ouais, Nova, viens. Ouais, que Nova, vas-y, viens. Des trucs comme ça. Tu crois que nous, on a envie de parler avec eux, Nova? T'es sûr de ça, toi? Parce que ouais, le mec qui force, je lui dis ouais, clairement mais tu vois, de te laisser tranquille. Il a les du jaunes, mal. ils sont peut-être teubés, mais ils sont gentils. Les jeunes sont gentils. Hein. Donc je pense qu'avec un bon discours et quelque chose, on pourrait avoir quelque chose avec eux. Ouais, les verts, ils sont c'est le pareil. Contre nous, moi, mais... les ceux qui me font peur, c'est les rouges. Je vous le dis, les seuls qui me font peur, c'est les rouges. Montrez-moi cette porte. C'est pourquoi vous courez? Et pourquoi vous courez? Ah, parce que vous courez. Bah voilà, bah moi je cours parce que tu cours. Bah ouais. On voit courir, on a envie de courir. Moi je vous vois courir, ça me donne envie de courir, c'est tout. Elle est où la porte? Elle est où la porte? Quelle porte? Bah la porte des dortoirs. Ah, je sais pas. Non, parce que là je suis perdu. Ah putain, j'étais perdu, merci Aziz. Bah vas-y, je vais dormir. Pas de soucis. Vas-y, bonne nuit. Bah passez une bonne soirée. Nova, je peux parler vite fait ou pas? Non. Bah parle devant les bleus. Ouais, tu parles devant nous maintenant. Tu veux parler à Nova? Tu parles devant nous. Mais c'est comme ça maintenant. Mais bah c'est comme ça, on est ensemble. Vous avez pas vu, je reviens parce que les portes elles sont fermées, j'aimerais bien me coucher. Genre, quand on s'est réveillé le matin. Même t'avais ta bretelle qui tombait, je t'ai dit j'ai un sacré bzaise. Genre on se parlait. On s'est parlé dans ta tête. Genre on peut pas se reparler pareil. Ouais, mais sauf que là tu veux me parler d'autre chose et quelque chose dont je sais le sujet, donc j'ai envie de parler avec les bleus. Tu vois, il y a les interactions amicales et les interactions business, tu vois. Ça c'est différent. Exactement. Ouais. Et nous on fait partie du business. C'est une interaction amicale que je veux faire avec toi. Enfin, je peux pas parler de business. Bah pourquoi tu peux pas le faire devant les autres si c'est amical alors? C'est amical, c'est. Non mais c'est intime, je veux être. Allez, fais vite, on perd du temps. Bah t'aimes pas les meufs, t'aimes les mecs.
J'ai rien compris. Je t'ai fait un peu de mal. Vas-y, Aziz, cours, on te suit. Vite, la porte. Elle est où la porte? Mais non, c'est pas ça. Local du concierge. Regarde le carton qu'il y a en bas à gauche, en haut à gauche. Putain merde. Il faut un outil. Mais attends, mais c'est pas là qu'on a été tout à l'heure. Mais non. Tous les trucs, ils vous montrent là-bas, mais c'est ici, putain. Regarde le carton à gauche, là. Tu vois la machine, paniquez pas. Elle est pas là. Mais c'est demain? Ouais. Non. Ouais, bah vendredi quoi. Vas-y quoi? Je l'ai embrassé. Ah oui, ouais. Kirby, fais un petit bisou. Excuse-toi. C'était le deuxième jour. Kirby, allez. Allez, admets, on passe à autre chose là. Non, je suis le bisou. Vas-y. Viens là. Ah, voilà. Moi, je veux juste que tu dises oui, c'était le deuxième jour. Laissez-moi discuter avec bébé. Non. Ouais, je te trompe. Mais n'importe quoi, toi. C'était le deuxième jour. Écoute, baby. Vas-y. Je suis pas sûr que c'est le deuxième jour. C'est sûr. Bon, écoute. Tu sais quoi, même toi, en réfléchissant tout à l'heure quand tu t'es énervé, tu savais que c'était le deuxième jour. Peut-être que c'est le deuxième jour. Mais tu sais, ce qui m'énerve un peu, man. C'est que j'ai raison. Ce que je te dis. Non, c'est pas ça. C'est que pour toi, c'est jamais important. Alors que le mec, il a été d'une. Mais non, c'est pas que c'est jamais important. Mais peur si. Non, mais j'ai compris, j'ai ressenti que pour toi c'était important. Mais c'était le deuxième jour. Et le deuxième jour, ça a vu, c'était bizarre. On était au début d'une enquête. Là, on en sait tellement plus, tu vois ou pas? Pour moi, ça a plus d'importance. Mais ça. Mais bien sûr que c'est important. C'est parce qu'il y a dedans. Oui. Vas-y, viens, bouge. Mais je te crois. T'es pas ouvert. Je suis totalement ouvert pour Watt. Ah ouais, totalement ouvert pour moi. Non, oh, s'il te plaît, vas-y, fais pas dire ce que j'ai pas dit. C'est toi qui as dit ça, man. Hein. C'est pas moi. Il faut le baiser. Il s'est passé quoi là? Ce qu'il y a. Ok, les gars, je vais tenter un truc. J'arrive. Ah, mais c'est fermé. Qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, c'est fermé. Il fait quoi lui? Il baisait. Bon bah vas-y, bonne nuit, on dort dehors hein. Bonne nuit, bye bye.